Hola, c'est Tita pour The Witness épisode 5 en Let's Play. Donc, j'étais coincé toujours au même point dans la forêt verte. Et je pense me balader encore un petit peu pour résoudre d'autres énigmes. Les amis, comme je vous l'ai dit, je m'en vais de cette forêt. Je me balade un petit peu. Parce que je bute sur l'énigme là-bas. Ça me fait chier, c'est sûr. J'aimerais la résoudre. Mais j'y reviendrai plus tard. Parce que là, je vais jamais y arriver. Aidez-moi dans les commentaires. Hein, parce que c'est un peu dur. Et je voulais voir aussi le pylône. Donc, voilà. J'ai suis ici en plus. C'est au niveau de l'autre côté de la montagne. Et j'ai remarqué, voilà, j'avais trouvé, c'est ici, à ce niveau-là que je voyais le cercle dans les nuages. Et maintenant, il faut trouver le bon angle. Je reviens de suite, je vais essayer de trouver le bon angle. Le temps que je cherche le bon angle pour ces nuages-là, j'ai pu trouver, enfin, j'ai pu revenir ici. Si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, c'était comme ça que j'ai réussi à activer une partie de la stèle, là, du pylône électrique. Et j'avais pas vu ce petit chemin en bas. Bon, par là, c'est un petit champ multicolore. Sûrement que ça doit servir à une énigme. Et par là, je ne sais pas ce que c'est bizarre, c'est des... Ouais. Un espèce de champ bionique, je sais pas. Bon. Et là, c'est tout joli. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. En tout cas, il n'y a rien qui réagit. Peut-être en prenant un peu de hauteur, je sais pas. Je vais voir ça de suite. Et me revoici donc au sommet de la montagne de la Muerte. J'ai pas réussi à trouver le bon angle. Ben, j'étais sûrement au bon endroit, mais après, comment trouver? Ah, ben peut-être qu'avec le reflet, ça pourrait m'aider. Bref, fais par là. Est-ce que tu veux bien m'aider, toi? Non, pas du tout. Bon, c'est un fail. J'en profite d'être là pour voir la magnifique vue. Et je me demande où est-ce que je peux aller. Alors, de sûr ici, c'est bon. Cette grande partie-là, j'ai pas besoin. Je vais peut-être retourner vers le désert. Enfin, cette partie ici, là. Parce que ça m'intrigue quand même un peu. J'ai pas pris le temps. J'ai pas pris suffisamment de temps pour m'y intéresser. Ça peut donner quelque chose, je pense. Et si jamais j'y arrive pas, je retournerai au centre-ville, ici, avec le petit moulin qu'on peut voir là. Allez, à tout à l'heure. Bon, là, je suis à mi-chemin de la descente de la montagne de la mort. Et j'ai remarqué que j'ai retenté, et voilà, ça a l'air de marcher. Mais pourquoi tu ne veux pas? Si je ferme le rond, comme ça. Tu veux pas? Et comme ça. Ah voilà. Ça y est. Mais j'ai réussi. Et ça doit le mener au niveau du pylône électrique. Parfait. Ben on s'y retrouve. Donc me revoici au pylône. Et on a bien le troisième qui est ici. Et du coup j'aimerais comprendre un peu mieux ce système là. Il veut pas me dire.
Est-ce qu'il y a tant que ça à trouver dans cette zone? Je pense que les pylônes électriques sont par zone. Et si on suit mon raisonnement, c'est-à-dire qu'il y a tout ça à trouver dans cette zone. Ça m'étonnerait pas vu le nombre d'énigmes qu'il y a. Mais celle-là, j'aimerais bien la résoudre aussi, celle du nuage là. Je vais jeter un petit coup d'œil encore. Tu veux pas? En fait, il faudrait que ça se referme. Bon, j'ai cherché un petit peu donc les signes pour le pylône électrique de la montagne de la mort là. J'ai pas trouvé grand-chose, donc je me dirige vers ma première destination, le désert. Peut-être que je vais trouver quelque chose là-bas. J'étais en route pour le désert et je voulais vous montrer ça avant. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, ce genre de mine désaffectée. Et on peut voir des rails ici. J'avais déjà réussi à ouvrir cette porte-là, mais pas celle-là. Donc je pouvais pas y accéder. Et moi je voulais surtout aller par là en fait. Et comme un idiot, j'ai vu qu'il y avait un chemin par là. J'y suis jamais allé. Et j'ai découvert aussi ce genre de petit hôtel. Donc, avant d'aller au désert, j'ai bien envie de résoudre ceci. Ça m'a l'air pas mal. Ah oui, ça peut me bloquer le grillage. Bon, commençons alors. Non, tu veux pas. J'arrive pas à voir s'il y a des points. Y a pas. Un angle. Ah, bah attendez. Je crois que je viens de comprendre. Au niveau de la lumière. Il me semble. Eh ouais, mais non. Ah ah ah. Non, il veut pas. Tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas. Cette porte est sûrement un indice. Mais je verrai ça pour plus tard. Je vais d'abord me lancer à la conquête de. Voilà, qu'est-ce que c'est? À la conquête de cette mine abandonnée là. Enfin, ce train abandonné, on dirait. Et de suite, une petite serrure. Parfait. Tout simple. D'accord, donc ça mène ici. Là, je comprends clairement que c'est un niveau de jeu d'ombre. Voilà. Parfait. C'est ça, c'est parfait. Ah ah, je me gêne un peu. Ok, donc c'est comme ça, tac tac. Hop. Est-ce que mon ombre elle gêne ou pas? Non, ça a pas l'air. Ah, j'aime bien le fil vert comme ça. Oula, attendez, attendez, attendez. Ça va pas. Faut prendre un peu de hauteur, je pense. Tiens, y a une petite serrure par là. Ça mène où? Ok, bon, mais c'est. Mais c'est pas celle que je viens d'ouvrir?
Non, je sais pas. J'arrive pas du tout à me repérer, c'est dingue. Ouf, faut avoir des bons yeux là. Non, te referme pas. Il veut pas. Faut vite que je prenne. J'arrive même pas à voir où est-ce qu'il est le point. Il est là. Attendez. Tac, 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 tac. Non. Bah, alors. Alors de là, de sûr, faut faire. Tac, tac, tac. Pouf, pouf. Ok. Sésame, ouvre-toi. Laisse-moi la lumière. Ah, ben voilà. Ben je vois que comme ça. Non, redescends. Parfait. Oula, ça m'a ouvert quoi? C'est relié ici. D'accord, ça m'a ouvert la petite porte là. On va continuer par là. Ok. Là, je suis bloqué, ça veut dire. Je comprends pourquoi ça s'ouvre ici alors. C'est juste pour nous dire de continuer. Ben voilà, j'ai bien une nouvelle zone de débloquer là. Là, c'est sûrement le quai pour le train. On va l'activer d'ailleurs. J'étais passé devant en bateau. Et voilà, il suffisait juste de faire ça. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est tout noir. C'est tout noir. Ah! Attendez. Il y en a deux à faire. Faut que je mette. Ça. Ça. Non. Je redescends peut-être là. Je mets deux là. Je mets deux là et là. Alors je vérifie si tout est en ordre avant de terminer le parcours. Donc j'en ai deux. Ici, deux là. Tac, 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 tac. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Et faut que je fasse celui-là. Alors. C'est embêtant parce que ça m'embête parce que je comprends pas trop le ce système là. Je sais pas à quoi ça correspond en fait. Bon, j'en ai au moins réussi un sur les deux. Du coup, je vais continuer par là. Donc après avoir lamentablement raté le deuxième panneau au quai là-bas, je me trouve en face de cette mine, cette gare désaffectée, je sais pas. On verra bien ce que c'est, ce que ça donne. Déjà ici, au niveau de là. On peut voir que ça donne un petit indice. Et je crois qu'il faut ouvrir ici, ça serait bien, non? Hop. On dort. Oui, vous voulez. Et vous?
Il faut tous les prendre alors. Tac. Tac. Pouf, pouf, pouf. On y arrive. La porte s'ouvre. Incroyable. Là, on peut voir un petit cercle qui donne de là, avec des panneaux. Comment y accéder? J'avais réussi à ouvrir cette porte de là-haut, parce qu'on peut accéder ici, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je fais un peu le tour, je vérifie, hein. Qu'est-ce qui se passe par là? C'est un point de vue, c'est quoi? Il n'y a pas d'objet dedans? Non. Excusez-moi, je prends mon temps, hein. Comme ça, tu es pas. Ok, j'ai pas compris. J'arrive pas à voir de là. Ouh, tu m'as fait peur, toi. Oh, Michael Jackson. Non? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu regardes par là, toi? T'es assez flippant comme mec, hein. Et là, ça mène où? Touk touk touk. Je peux pas monter. D'accord. Ça, c'est une petite passerelle. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça a activé un truc. Je sais pas. Ça a activé quoi là? Ça veut quand même. J'ai pas compris. J'y arrive? Je comprends pas le système. D'accord, il me dit les points qu'il faut prendre. Je crois. Bon, c'est un peu au jugé parce que je le fais mode. Ouais, je comprends pas grand chose là. Je vais tenter d'aller par là. Hop, ça s'ouvre. Ah, ben voilà, ben on se retrouve au-dessus. Comme je vous le disais. Et là, il y a sûrement un truc à faire de là. Il y a sûrement un truc à faire de là. Oh, joli ça. Et ça va à ce pylône là. Ok. Est-ce que tu veux autre chose? Tu veux peut-être celui-là?
Lui, il... J'ai l'impression qu'il veut marcher, mais... Mais... Il manque un truc, peut-être. Je redescends de ce pas. Ah, mais je peux monter par là. Je suis bête. Alors... Il y en a un qui avait disparu. D'accord, ça veut marcher, mais... Moi, pas avoir compris. Alors de sûr, faut passer par là. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Là, je suis d'accord. Ce signe, je sais pas à quoi il correspond. Je fais un peu au pif, toujours. D'accord. Oui, il faut en laisser qu'un. J'ai pas compris. Comme la plupart des énigmes. J'ai pas compris, ça marche mais ça marche pas. Et ça activait quoi? Tu veux bien me dire ce que ça activait? Je vais le refaire. Bon, ça monte. D'accord. Je veux juste tenter un truc. Quoique, en laissant comme ça, je vais voir après. Au niveau de la superposition. Là, tu veux bien? Ok. Ça marche. Écoutons la cassette audio. What is divine in man is elusive and impalpable. And he is easily tempted to embody it in a concrete form, a church, a country, a social system, a leader, so that he may realize it with less effort, serve it with more profit. Yet, the attempt to externalize the kingdom of heaven in a temporal shape must be a disaster. It cannot be created by charters or constitutions, nor established by arms. Those who seek for it alone will reach it together, and those who seek it in company will perish by themselves. Hugh Kingsman, 1944. Hugh Kingsman. Excusez-moi, j'étais en train de faire l'énigme. Que je ne comprends pas d'ailleurs. Et j'ai pas. Du coup, j'ai pas écouté ce qu'il disait le mec. J'ai juste vu des trucs un peu bizarres là. Et bref. En passant peut-être comme ça. Je sais pas. Ah, ben voilà! Mais ça fait un escalier. Bref, et si je remontais voir ce que ça donne au niveau du de la lumière. C'est mieux par là. Ah, faut que je le descende un poil. Ça pourrait marcher.
Voilà. On attend que ça monte. Allez, monte, monte, monte. Et parfait, j'ai l'autre côté qui s'en va vers le pylône. Bon, j'ai essayé un petit peu les différents tests qu'il y a dans la gare abandonnée. J'ai un peu. Enfin. J'ai buté un petit peu, j'ai pas réussi. Je vais retenter plus tard. Mais là. Et toi, pourquoi tu veux pas? Comme ça, tu voudrais ou pas? Mais oui, il veut bien. Eh ben, on continue sur le jeu d'ombre. Y a qu'un seul point. Parfait. Voilà, ça ouvre ici. Super. On continue. Tac, tac. Tac. C'est au niveau des branches d'arbres qu'il faut pas toucher, je crois. Ça passerait là ou pas? Ah oui, ça passe. Bon, on continue tranquillement. Non, il veut pas. En passant comme ça. Voilà, il veut bien. Ça m'a ouvert quelque chose par là-bas. Et quelque chose ici. On continue les petites énigmes ici, hein, c'est. Les amis, je suis obligé de couper car l'épisode deviendrait trop long, mais vous inquiétez pas, il y a la suite dans le prochain épisode. Je vous remercie beaucoup. Ciao!